Histoire pour les oreilles. Balthazar le renard vient de terminer son petit déjeuner. Il a dévoré 3 lapins et 4 souris. Et son ventre est gonflé, gonflé, qu'il en perd l'équilibre. Mais il a une soif terrible maintenant. Sa langue est toute sèche. Il lui faut trouver de l'eau immédiatement. Il cherche, il cherche. Et finalement, il arrive dans le parc d'un château. Et au milieu, un puits. Je suis sauvé. Enfin de l'eau. Chut, chut, doucement. Si les gardes du château m'entendent, je vais me retrouver roué de coups de bâton. Il s'approche doucement du puits. Sur le bord, un seau. Balthazar se jette dessus. Mais le seau est vide. Il est vide, mais il est accroché à une corde qui passe autour d'une poulie et qui plonge dans le puits. Et au bout, un autre seau, plein d'eau celui-là. Sans hésiter et surtout sans réfléchir, Balthazar saute dans le seau. Le seau tombe dans le puits. Bim bam, bim bam. Balthazar se cogne la tête contre les parois du puits et se retrouve complètement abruti. Les 4 fers en l'air, tout éclaboussé dans le seau au fond du trou. Lui qui avait si soif, le voilà comblé de joie. Sans réfléchir, il se met à boire, tellement que son ventre gonfle, gonfle, et qu'il s'endort rassasié. Là-haut, dans le parc du château, un buisson se met à trembler. 2 oreilles dépassent du feuillage, puis 2 yeux au regard perçant, puis une gueule avec de grandes dents. C'est Loulou, un loup blanc qui vit dans la forêt voisine. Il est maigre, très maigre. Ça fait des jours et des jours qu'il n'a rien mangé. Il a tellement faim qu'il rêve de poules, de moutons et de chèvres. Il marche très lentement et arrive devant le puits. Épuisé, il se couche sur la margelle. Balthazar, qui vient de se réveiller, voit la tête de Loulou qui dépasse. Il le reconnaît tout de suite. Chouette, chouette, mon copain Loulou, il va me sortir de là. Je lui prépare un mauvais tour. N'oublions pas que je suis l'animal le plus rusé de la forêt. Loulou, Loulou, réveille-toi, c'est moi, Balthazar. Comment vas-tu, cher ami? Oh là là, j'ai faim, si tu savais. Viens me retrouver, il y a plein de poules par ici. J'en ai mangé 2 bien dodus, je me suis régalé. Il en reste, prends le seau qui est à côté de toi et descends me retrouver. Il y en a largement assez pour 2. Et Balthazar imite les poules pour tromper le loup. En entendant ça, Loulou se lèche les babines et, sans hésiter, grimpe dans le seau et descend retrouver Balthazar. C'est juste ce qu'il fallait pour que le renard puisse remonter à la surface. Et en chemin, il croise Loulou et il éclate de rire. Je t'ai bien eu. Tu vois bien que je suis l'animal le plus rusé de la forêt. Loulou comprend bien vite qu'il s'est fait berner. Il n'a plus qu'à attendre que quelqu'un le sorte de là. Et le lendemain matin, les gardes du château se retrouvent au puits pour tirer de l'eau. Et surprise, le loup est dans le seau. Loulou essaye de s'enfuir, mais il est tellement faible qu'il prend quelques bons coups de bâton avant de pouvoir partir. Ça fait mal. Et dans sa fuite, il grommelle tout bas. Satané Balthazar, je l'aurai un jour, je l'aurai.